Eh bien bonjour, bonsoir, on continue notre aventure sur No Place Like Home. Alors, quelques améliorations, je suis allé rechercher. Donc déjà, on va améliorer la porcherie de un niveau pour commencer. Ensuite, on va pouvoir l'améliorer d'un second niveau parce que je l'ai débloqué aussi. Il faut que je retrouve. On va améliorer les ruches. Ça, c'est quoi? Neutraliseur d'acide utilisé pour la construction du maxi émanovore. Donc on va continuer cette quête-là aussi. On va faire ceci. Tac. Tac, on va remettre la deuxième là. Et je crois qu'au niveau bâtiment, c'est tout pour l'instant. Et on aura la porcherie avancée améliorée par la suite. Donc hop, on va faire ça. Donc là, on a amélioré notre porcherie. Ça les améliore. Ils me réclament rien. C'est nickel. On va améliorer les confituriers. Et on va améliorer nos ruches. Donc vous voyez, ça évolue hein, dans notre ferme. On est bien. On va aller regarder. Je pense pas que les olives, on en ait. Hein. On n'en a pas pour l'instant. Et on va aller voir les autres marchands niveau inventaire. Bah oui, on a pas mal de choses à devoir ranger. Il va falloir que je fasse un gros rangement. Mais sérieux, c'est quoi ça? Ça, c'est les canneberges. Il me faut les canneberges. Je l'ai dit. Les canneberges, c'est l'avenir. Il me faut des zones pour pouvoir les planter, les canneberges. Est-ce que là je pourrais... Ok, ça c'est fait, on avait un super arroseur. On va le mettre même si on n'a pas besoin que ce soit le super arroseur ici. Et on va pouvoir se mettre nos canneberges. Et donc avoir, à part l'ail que je n'ai pas encore, toutes les ressources. Hein. Alors j'ai amélioré l'eau aussi. Hein. Donc hop, ça c'est fait. On va reprendre un peu d'eau. Nickel. On va retourner dans le désert. Voir un petit peu pour les quêtes suivantes. Bon, j'ai pas encore assez de pastèques ni d'huile d'olive pour la suite de l'aventure ici. Qu'est-ce qui pourrait me débloquer? J'ai besoin de poivrons et là j'ai besoin d'olives. Donc d'abord des poivrons. On va aller chercher. Je sais pas si j'ai assez d'argent par contre, parce que ça c'est aussi le problème. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. Poivrons, j'en ai 3 là. Et là, j'en ai pas. Bon, au pire, je peux en ramasser. Hein. J'en ai logiquement qui traîne. Voilà, j'ai du poivron qui traîne ici. Je vais en replanter tout de suite. Les tulipes, on verra ça plus tard. Graines de poivron. Après, il va nous falloir beaucoup, mais beaucoup d'argent, je pense, pour la suite. On va aller dans le désert. Alors, je sais, il faudrait que je vide mon inventaire, mais j'ai envie de faire au plus vite. Et je ne sais pas, mais je pense qu'on arrive doucement vers la fin du jeu. Donc, hop, on apprend le procédé. Et là, il me faut les canneberges. Et là, il me faut les olives. Donc, ça, ce sera pour la suite. Alors, au niveau des quêtes. Colline solitaire, qu'est-ce qui me reste? Rapport de voisinage, récupérer la dernière pièce de l'émanovore. On est dans les collines solitaires. On va aller par là, on va faire le tour. Vous pouvez m'aider, en fait, peu importe, ok. Quelque chose à vendre. Ben, on a tout débloqué chez toi. Donc ça, c'est nickel. La dernière pièce de l'émanovore. Allez, je fais une petite coupure et on se retrouve dès que j'ai la solution. Allez, on vient revoir un personnage. Entre-temps, j'ai refait une autre quête avec de l'eau, hein, qu'il fallait mettre des filtres. Donc voilà, tac, tac.
genre qu'il y a quelque chose à vendre. Qu'est-ce qu'elle pourrait me vendre, elle? L'étable améliorée, ça, il me faut de la laine. Il faut des moutons pour ça. Mais bon, j'ai pas de moutons pour l'instant. Là, il faut des oranges. Et là, il faut des pastèques pour la transformation du lait. Ok, mais... Je vous apporte des plumes. Ok. Alors, le souci, c'est vraiment, là, au niveau de la quête, je suis bloqué. Hein. Bon, là, je dois encore le trouver au pic gelé, c'est tout. Je dois apporter de l'avoine aux cochons, ok. Ici, je dois récupérer la dernière pièce de l'Emanovor. Hein. Quel dommage, tac, tac. Enfin, on n'y peut pas grand-chose, sauf que je ne sais pas si je l'ai ou pas. Folie mécanique dans les pics gelés, neutraliser le robot planteur, désactivation du signal. Et là, je dois devenir chèvre. Bon, ça, j'ai pas encore les chèvres. Et récupérer 5 morceaux de bois et préparer une salade de pastèque. C'est pas encore à jour. Donc, au niveau des pics gelés, on y est là. On est dans les pics gelés. Donc, je vais essayer de trouver le robot. C'est toujours galère pour moi pour le retrouver comme ça. Il est quelque part là ou là, le robot. Faut que j'arrive à le trouver. Toi, t'as besoin de blé? J'en ai pas sur moi, désolé. Désolé, Poupoule. Voilà, là, il y a tous les poteaux. Donc, le robot, il doit être ici, hein, pour le neutraliser. Blip, blip. Mais on ne me dit pas comment je dois neutraliser le signal, en fait. Qui est tout en haut. Comment je pourrais atteindre cette zone-là? Ici. J'ai du Björch. Ah, j'ai plein de recettes à faire. Hein. Ça, on va pas se mentir. Et si je viens le revoir, il va me dire toujours la même chose. Alors, pour neutraliser le signal, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est le centre de contrôle qui pilote le robot à distance. Je peux pouvoir le contrôler à mon tour. Il va falloir que je désactive le signal satellite. Le centre devrait se trouver au sommet de la colline. Ensuite, il faudra que je retourne auprès du robot pour voir s'il fonctionne correctement. Ok, mais de quelle colline? Ça doit être ici. Hein. On va aller voir. Hein. On va aller voir. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce bouton que je ne sais pas placer. Et ça me bloque. Voilà, le premier bouton, il est là. Le deuxième, là-bas, au-dessus. Et le troisième, à côté. Ça, on est d'accord. Et c'est ce qui va me permettre de rentrer ici. Le problème, c'est que là... Je ne sais pas y passer... Et j'aimerais pouvoir y passer, mais je ne sais pas. Le voilà. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Ok, la porte va s'ouvrir et on va voir ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'on va pouvoir désactiver ce robot. Ok. C'est tout? Il n'y avait que ça, c'était pas ici pour désactiver le signal? Mais... Et ici, il n'y a rien.
Oui, peut-être là. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des pièces spéciales que je n'ai pas. J'espère que je les ai pas foutues en l'air. Bon. Bon. Et souvent les pièces sont à proximité, hein. En tout cas, sont dans la même zone. C'est le voyage rapide là. Bon, on va nettoyer toute la zone ici qu'on n'avait pas encore nettoyée, hein. Pièces de ce type. Ça, c'est un bloc particulier, il doit y avoir quelque chose. Bon, il n'y a rien. Ça, c'est du verre, d'où ce petit bruit un petit peu spécial, hein. Et je trouve pas les fameuses pièces qu'ils me demandent, hein. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Boule de neige permet de faire un bonhomme de neige. Ok. Allez, on passe à la suivante, zone suivante, il est déjà 20h in-game. Et je sens que j'approche doucement de la fin du jeu, hein, sincèrement. On est à la centrale. Mais ce jeu, je vais le finir à 100%. Alors prenons le cas que j'aurais détruit ces objets nécessaires. Est-ce que ça va me planter mon jeu ou pas? Et alors on a appris que c'était le frère de notre grand-père, hein, qui avait foutu le bordel. Voilà, une pièce. Deux pièces.
suis dans l'acide, c'est peut-être pas top, hein. Omelette à la confiture. Ça doit être bon, ça. Moi qui aime bien le sucré salé, en fait. Là-dessus de toute manière, je ne sais pas ce serait pour aller où. Troisième. Alors, par où puis-je aller ou par où ne suis-je pas encore allé? Je suis pas encore allé par là. Ah, nouveau personnage. J'arrive, ma petite dame. J'arrive dès que possible. Oh, t'as des moutons. Et le mouton a besoin de quoi? D'huile de mouton. C'est ce que je dirais. Bonjour, mes moutons m'ont dit que le moment de notre rencontre n'était pas encore venu. Ils m'ont informé que tu devais d'abord aider Julie, l'ornithologue. Alors seulement nous pourrons avoir une vraie conversation. Mais zut, quoi. Donc on va d'abord chercher à... couper le signal, hein. Voir si c'est ici ou pas. Plume, je sais pas s'il lui en manque beaucoup dans sa collection, hein. Ce sera pour après, je suppose. Bon, est-ce qu'il y a encore une zone où je ne suis pas passé? Oui, là. Ok, on va revenir à la zone de départ. Voir si c'est là-bas qu'on va aller couper le signal. Mais là, on est dans la dernière zone. Hein. On est dans la dernière zone. Et d'ici, je pense que j'ai fait toutes les zones. Hein. J'ai encore passé un temps dingue. À tout retransformer. Cette zone-ci, on nettoie.
plein de trucs à faire ici en fait. Ce serait pas là le signal? Ça aurait été bien que ce soit ici le signal. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bon, là c'est où on a... Et là on va dans le sable. Ça ne m'intéresse pas. Chemin de fer hivernal, parce que ça me paraît très logique que ce soit le chemin de fer hivernal où je me rendre. Ouais. Pour une fois, ma logique est bonne. J'étais tout content de défaire le signal, je pensais vraiment que c'était ça. Ça va être long. Et j'ai pas encore la maison de raton laveur. J'ai la maison du chat, ça oui, et j'ai un chat maintenant. Mais bon, allez, on va retourner chez nous. Est-ce que j'avais fait de la confiture? Je n'avais pas fait de la confiture. Est-ce que j'ai des olives? Non, ce sera pas encore pour ce jour, les olives. Bon, j'ai ramassé toutes les oranges. Je vais en faire de la confiture. Besoin de sous. Je suis plus qu'à 515. Ah ben je ne peux pas mettre les oranges pour la confiture. Ok. Ok, ben je vais les revendre comme ça, les oranges, tant pis. Hein. Je vais espioter. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la maison, parce que je me suis amusé. Donc, voilà, j'ai une théière là. Maintenant, je fais pousser du thé ici. J'avais mis des graines de thé, et donc j'ai cuisiné ou autre, allez savoir. Je dis, il est l'heure, il est l'heure. Donc voilà, j'avais planté du thé que je vais tout de suite remettre. Je ne sais pas comment ça va être utilisé, mais même dans la maison, j'ai pu mettre des graines, comme vous pouvez le voir. Et je me suis amusé sur le papier peint, on va faire le tour. Vous voyez, il y a papier peint ici, papier peint là, j'ai mis différentes sortes. J'ai mis des petits coffres aussi à l'intérieur, parce que c'est là maintenant que je vais mettre les chapeaux, les différentes choses qui ne me servent à rien, ça va être ici dans la maison. Et on va meubler tout ça, hein. Je vous rassure, à un certain moment, tout ça va être meublé. On va faire un truc sympatoche, si on en a la possibilité. Bon, on va arrêter la vidéo là-dessus, je pense que la vidéo aura été plus courte que les autres. Mais c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bisous, bisous, au revoir.